Bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure où vous regardez cette vidéo, ça, bonjour, c'est pour vous, si c'est dans le matin. Bonsoir, si vous avez regardé cette vidéo, ça, non, à souhait. Alors, nous allons parler encore une fois de Mano Sanon, seul joueur haïtien qui a fait deux goals dans l'édition Coupe du Monde 1974. Pas oublié tout, c'est seul Coupe du Monde Haïti participé là-dedans jusqu'à Kounia, 1974, Coupe du Monde qui a fait en Allemagne là. Alors Mano Sanon qui t'a marqué deux goals dans Coupe du Monde ça. Yon face à Italie, l'autre là c'est après face avec Argentine. Face avec Italie, nous connaissons un gros record Mano Sanon lui-même l'était fait parce que gardien italien à l'époque Dinosov qui t'a gagné un nombre de temps plus passé 2 ans depuis il pas de jambe prend goal, c'est dans Coupe du Monde 74 là Mano Sanon t'est arrivé bas monsieur un goal. N'a pas rappelé au tout Haïti t'a perdu tout match yo dans Coupe du Monde là. Alors Haïti t'a joué 3 matchs, 3 défaites. Premier match là Haïti t'a tombé devant Italie 3-1, Mano Sanon t'a fait goal Haïti a. Deuxième match là face à l'Argentine, Haïti t'a perdu 4-1. Mano Sanon t'a marqué toujours pour Haïti. Dans troisième match là, la Pologne qui t'a sans pitié, qui t'a pulvérisé sélection noir. 7-0, Haïti t'a éliminé mes amis dans premier tour. Mais quand même, Mano Sanon qui t'a fait gros bagaille, qui t'a marqué 2 dans la Coupe du Monde, si là. 2 belles goals, sélection noir, t'a fait en 1974, qui a toujours été gravé dans la mémoire tout haïtien. Mais malheureusement, Mano Sanon pas vivant encore parce que légende ça mouri en 2008 dans la cour Orlando, dans pays États-Unis. Alors, si Mano Sanon t'a vive toujours, année ça, t'a fait 69 ans. Nous pas faire en pile parler en pile, nous pral montrer qu'on y a deux belles goals ça yo. Mano Sanon lui-même l'était fait en 74, pas oublier, c'était face avec Italie qui c'était un gros record mais c'était fait, il était by Dinosov goal qui était gagné plus passé 2 ans depuis en 72 pour arriver 74. Dinosov pas de jambe prend goal. C'est Mano Sanon qui était arrivé, bal goal, et puis Mano Sanon qui était marqué tout face avec l'Argentine. Nous pral montrer deux goals ça yo kounya. It's Fritzlin. To Didier. Sanon is just to the left of him. Didier going for one, and here's a chance for Antoine. Sanon, yes! And they've got it, and it's Mano Sanon again. And that was a great shot. Here's Eddie Antoine going forward. The first one is beaten now. Comes to Sanon. See how well he hits that one. Cannavale had no chance. Nor the covering fullback. So it's Sanon. C'était deux belles goals ça yo. Mano Sanon t'a offri sélection haïtienne nan. Malgré que nous t'ai éliminé, mais quand même Mano Sanon t'a marqué l'histoire. Il était marqué deux belles goals dans la Coupe du Monde 1974 là, surtout face avec Italie. Nous connaissons Dinosov qui a gagné environ 2 ans que l'Ibad Jean prend goal. C'est Mano Sanon qui a retiré le record ça dans même ici, qui a gagné nombre de temps ça l'Ibad Jean prend goal. Quand même Mano Sanon avec tout reste équipier Lio t'a marqué l'histoire, t'a marqué Coupe du Monde 1974 là. Yon réel plaisir pour moi pour me porter ti vidéo ça pour jodi a. Bye bye mes amis, à la prochaine pour yon l'autre belle ti vidéo encore m'a bien pour me préparer pour nous. Yes. Ha. This is King Zin Shaba. Roosevelt and Black Alley. Flesh up. I don't know what I got to do, I just suspend my yeah.
Ça va comme vous y a des bisous du monde, yo pas vlené.